السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إن شاء الله في هذا الفيديو. إن شاء الله سوف نصحح الامتحان الجهوي الموحد دورة يونيو 2019 جهة مراكش. آسفي، المدة الزمنية المخصصة هي ساعة من الزمن. إذا سيكون هذا الفيديو إن شاء الله بحول الله حول تصحيح الجزء الأول من هذا الامتحان الجهوي. Donc on va commencer par la première partie, c'est la restitution des connaissances sur 8 points. Donc on va commencer la question 1, répondre par vrai ou faux dans la case en face de chaque proposition. Donc on a les propositions et on a vrai ou faux. Donc on va commencer par la proposition 1. A. Le système nerveux comprend le cerveau, la moelle épinière et les nerfs. Est-ce qu'il est vrai ou faux? بمعنى الجهاز العصبي فهو يتضمن المخ والنخاع الشوكي والأعصاب. إذا فهذا اقتراح خاطئ. Donc c'est faux. Pourquoi? Car le système nerveux, il comprend l'encéphale, yani le démarre, et la moelle épinière et les nerfs. Donc la proposition B. La contraction musculaire nécessite la présence des glucoses et du dioxyde de carbone. Donc c'est faux. Pourquoi? Donc la contraction musculaire nécessite la présence des glucoses et l'oxygène. Ce n'est pas dioxyde de carbone, ce n'est pas CO2, c'est l'O2. La question, ou bien la proposition C. Donc la fibre musculaire est l'unité structurelle et fonctionnelle du tissu musculaire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. اللي في العضلي فهو الوحدة البنيوية والوظيفية ديال النسيج العضلي. Et la dernière proposition, le tissu musculaire contient des capillaires sanguins et des fibres nerveuses. C'est vrai. Oui, c'est vrai. النسيج العضلي فهو يتكون من شعيرات دموية بالإضافة إلى ألياف عصبية. إذا هذا اقتراح صحيح جدا. إذا يجب التركيز ثم الإجابة بكل سهولة. إذا كل اقتراح صحيح عليه 0.5 نقطة. C'est-à-dire 0.5 point. Maintenant, on va entamer la deuxième question. La deuxième question. Le document 1 représente les éléments qui interviennent dans un réflexe médullaire. Donc, la question, déterminer le rôle de chacun des éléments référencés par une flèche sur le document 1. Donc, on a 5 cases qui sont vides. Et on a les éléments qui interviennent. Donc, 5 éléments qui interviennent dans l'arc réflexe ou bien la réflexe médiale ou bien la iradia. Donc, on a la première, on a après l'excitation de la peau, par exemple. Donc, après l'excitation de la peau, à ce niveau-là, il existe sur la peau, il existe des récepteurs sensoriels. Donc, ces récepteurs sensoriels, ils jouent un rôle de capture de l'excitation. Et ça transforme cette excitation en un flux nerveux qui est sensitif. Par suite, cet influx nerveux sensitif va transporter grâce à un élément qui s'appelle le conducteur sensitif. Il va conduire jusqu'à la moelle épinière. Et dans la moelle épinière qui joue un rôle d'un centre nerveux, donc ce centre nerveux, c'est la moelle épinière, elle va transformer cet influx nerveux qui est sensitif en un influx nerveux qui est moteur. Par suite, l'influx nerveux moteur va être transporté ou bien conduit grâce à la conducteur, au conducteur moteur jusqu'à l'organe effecteur, c'est le muscle. Donc, le muscle, il joue un rôle d'un organe effecteur
C'est-à-dire, elle répond à. Elle répond à l'infini. Ça y est? Elle répond. Yannil, c'est Jabal et Hajj. Et c'est Jabal d'Axuyal al-Asabi. Elle répond à l'infini niveau qui est moteur. Ça y est, c'est très simple. Donc, on a cinq éléments qui interviennent dans la réflexe médullaire. Donc, on a le récepteur sensoriel, le conducteur sensitif, ou bien le nerf sensitif. On a la moelle épinière, c'est le centre nerveux. Et on a les conducteurs moteurs, ou bien le nerf moteur qui va transporter l'influx nerveux qui est moteur. Et on a l'organe effecteur. Ce sont les muscles généralement squelettiques qui répondent à l'influx nerveux qui est moteur. C'est très simple. Ça y est? Donc, par suite, on va voir la question 3. Donc, la question 3, relier se forme de couple chacun des éléments du groupe A avec l'élément qui lui convient dans le groupe B. Ça y est, donc on a le groupe A, le groupe B, on a les rares AVC, donc la question 3 n'est pas intégrée dans le cadre référentiel de SVT, c'est-à-dire les امتحانات الجهوية لهذه السنة. إذا هذا ندرسه عادة في الدورة الأولى الخاصة بالكيلي أو الجهاز الإبرازي. Donc on passe directement à la question 4. Remplir les espaces vides dans le texte, c'est du sûr, en utilisant les termes suivants. Anticorps, les phagocytes, immédiates, les corps étrangers et la phagocytose. Donc on a quatre éléments. Donc on va remplir chaque individu par les éléments ou bien les termes qui le conviennent. Donc on a un vide est considéré comme un mécanisme de défense non spécifique et un vide. Il est réalisé par point qui intervient ou bien qui internalise et détruise. Point, c'est une réponse immunitaire naturelle. Donc, c'est quoi? On a la phagocytose. La phagocytose est considérée comme un mécanisme de défense non spécifique, c'est-à-dire non spécifique, il attaque tous les microbes. Et quoi? Et immédiate, il n'y a rien. Il est réalisé par quoi? Il est réalisé par les phagocytes. Il y a des cellules qui sont les phagocytes qui internalisent et détruisent quoi? Les corps étrangers. Ça y est, les corps étrangers, c'est une réponse immunitaire naturelle. C'est jamais naturel, tabiri. إذا بكل سهولة يجب قراءة النص جيدا ومحاولة فهم النص وبالتالي الإجابة وضع كل عنصر في المكان المخصص له قراءة النص مرة ثانية إلى غير ذلك ثم محاولة فهم النص والإجابة بكل سهولة على النص يعني الفاجوسيت شنو هي واحد الميكانيزم واحد الظاهرة كتوقع ملي كيدخل كيتسرب للجسم واحد العنصر غريب وهذا الميكانيزم اللي هو لا فاغوسيتوز كيتم بواحد الخلايا كنسميهم فاغوسيتوز كنزيدو داك السيت يعني كتعني سيلين يعني خلايا دي فاغوسيت هما البلعميات وهذوك البلعميات شنو اللي كيدخل كيهاجموا لنا مباشرة داك لو ميكرو وشنو كيديروا له كيهاجموا كيديروا له لا ديغراداسيون دونك اون باس ديريكتومون لا دوزيام بارتي سي لو ريزونمون سيانتيفيك. On commence par l'exercice 1 sur 6 points. Pour étudier certains aspects des fonctions de liaison non gérant, ce qui suit. Le premier donné, alors qu'il visitait Toubkal Park, Ahmed vit un renard devant lui. Il grimpa rapidement dans un arbre pour se mettre à l'abri. Et en grimpant une épine de l'arbre, l'a piqué dans la main. Il tira sa main rapidement avec une sensation d'effort douleur due à l'intensité de la piqûre. La question, extraire des tests ci-dessus. Trois exemples d'activités nerveuses qui étaient derrière
Le comportement et la réaction d'Ahmed. Un exemple de la sensibilité consciente, un exemple de la motricité volontaire, un exemple de la motricité involontaire. Il y a un intérêt quand même dans la première donnée. On sort du nom واحد ثلاثة ديال الجمل وكل جملة كتبين لي مثلا ليكزامبل الأول كتبين لي لا سونسيبيليتي كونسيون فيها مذكورة لا سونسيبيليتي يعني أحد الحواس استعملتها في لا كيستيون أن في لا كيستيون بي أن إكزامبل دو لا موتريسيتي فولونتار التحركية الإرادية وأن إكزامبل دو لا موتريسيتي أن فول التحركية اللا إرادية دونك نقراو النص ألوغ كيل فيزيتي توبقال بارك أحمد في أن غونار أحمد شاف واحد الثعلب دونك أ أن إكزامبل دو لا سونسيبيليتي كونسيون أنكتبو Ahmed vit un renard devant lui. Ça y est. B. Un exemple de la motricité volontaire. Il grimpa rapidement dans un arbre pour se mettre. En xbo, il grimpa, c'est-à-dire saïda, rapidement fi chajar. Dans le chef de salib, saïd, le chajar. Et dans saïda, c'est une motricité volontaire. Et la motricité involontaire, c'est. En xbo, il tira sa main rapidement avec une sensation d'effort. Ça fait, il tira rapidement. Yani, ملي قرصاتو داك وخزاتو داك الشوكه سحب اليد ديالو بسرعه التيغا سما رابيدومون ديما رابيدومون ايتترا دو سون دي اكزامبل دي موتريسيتي انفولونتير دونك سي تري سام اذا كل حاجه عليها نص نقطه يل في ان رونارد لا دوزيام باغ اكزومبل اي غريمبا غريمبا ايل غريمبا رابيدومون دون ان اربر بور سو ميتر ا لابري وعندنا il tira sa main rapidement donc ce sont des activités nerveuses on a trois la sensibilité consciente la motricité volontaire et la motricité involontaire donc c'est très simple maintenant on passe directement à la question suivante Donc, pour mettre en évidence certains des éléments impliqués dans certains de ces activités nerveuses, nous proposons le schéma de document 2. La question 1. En représentant le trajet et le sens de l'influx nerveux dans le cas où Ahmed a vu le renard, il a vu le renard. Il a vu le renard. Il a Ahmed a vu le renard. Il a vu le chef. Par une ligne pointillée. هذا الخط متقطع. غنمثلوا فيه المسار ديال السياله العصبيه في الحاله ديال ان احمد شاف او شهد الثعلب. اذا شنو حنا كنعرفوا ان لا سنسيبيليتي كونسيون كتدخل فيها ثلاثه العناصر الاساسيه شنو هما عندنا لو ريسيبتور سنسوريال وعندنا لو نيرف سنسيتيف ou bien le conducteur sensitif et on a l'air c'est l'air sensitif ça y est donc on a le document de l'hémisphère cérébral gauche on a le gauche on a le gauche on a l'air visuel donc l'air visuel on a l'œil yani le globe oculaire on a le nerf optique donc شنو غادي نديرو حنا راه حنا صيبناه هنايا في هذا الامتحان هادي باسهم برتقاليه او باسهم صفراء دونك كتمشي السياله العصبيه لو تراج غيمشي من لير فيزييل افيك لو نيرف اوبتيك حتى لوي سي تادير الجلوب اوكيلير صافي راه حنا رسمنا المسار ديال صافي بكل سهوله انت دبرتي على 0.5 بوان En représentant le trajet de l'essence de l'influx nerveux dans le cas où Ahmed a grimpé l'arbre par une ligne. Continue. Ah ouais, c'est à grimper sur là. Yani, Saad, fais le quoi ça? Le Saad fait ça. Chira. Donc, on a maintenant hnaya, on a l'air de l'air motrice, on a la moelle épinière, on a la moelle épinière, on a l'adala. Donc, on a maintenant les اسهم حمراء ou portugaliens. غادي المسار ديال السويه العصبيه غادي من لير موتريس غادي مع لا مول ايبينير جيسكا العضله واي عضله عندك شي هو عطاك هنايا الكوش خاصك تمشي نتايا مباشره ديها عطاك هنا جوج عضلات باش يدوخك خاصك تمشي اليمين الا عطاك لي ميسفير سيريبرال كوش تختار نتايا اليمنى و الا عطاك الدغوات خاصك تمشي لهذا اذا وصلنا لنهايه هذا الفيديو
كنشكركم وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله بالتوفيق للجميع.